Alors, j'avais commencé à faire une vidéo sur la dissolution de la matière, un exercice méthode en fait pour te montrer comment traiter vraiment concrètement la dissolution, les calculs quantité matière, concentration, etc. L'exercice, c'est celui-là. J'avais commencé à le faire en vidéo et puis je me suis arrêté à un moment donné parce qu'il y a une coquille dans le sujet. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va être pourquoi pas en fait demander aux élèves directement d'aller chercher la coquille, chercher à corriger l'énoncé. Il y a une faute dans cet énoncé. Donc, je te propose en fait de trouver la faute dans cet énoncé, de trouver l'erreur. Si tu veux la trouver, tu peux aussi regarder la vidéo que j'ai fait sur l'explication des notions liées à la dissolution de la matière. Il y a un truc que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le cours, les notions, tout ça. Il y a un truc que j'ai expliqué qui n'est pas vérifié dans cet énoncé. Voilà, donc trouve l'erreur et puis cet exo, je le corrigerai ultérieurement dès que les élèves m'ont dit, ah oui, l'erreur, elle est ici. Ok? Allez, à toi de jouer. Ciao!